lorsque accusation ça au porté sous lui, m'dou l'a sorti dans tribunal, yo dit est-ce qu'on c'est Massissi, il dit non, il va aller pour Massissi là. Yo relé pour viol. A dou pas besoin qu'on estime Massissi, mais yo relé pour viol. Mandé est-ce qu'il violer moun vrai. Bon, ouais là il dit moun l'a parlé de Lia, Bernard, Alix, OK, li quoi elle marié avec un citoyen étrangère, ouais, excusez-moi, même des citoyens, c'est pour ça que vous comprenez comme m'a dit homme, non. Homme de nationalité étrangère, ou bien un citoyen de nationalité étrangère. A dit son garçon, et moun qui fait vidéo, qui dit, Evandis Koufler, t'es qu'on utilise yo, et t'es fait abus sexuel sou yo, et bien, l'Iquel dit moun sa marié avec un citoyen de nationalité étrangère. Sonne Lucas, bonsoir, comment y est? Moi, salut aux Palestins, je salue les guerriers, je salue tout auditeur, et puis nous voyons solidarité, non, bye. Tout le monde est capio, quand Badou, et on ne peut pas passer un mot. Je pense que c'est bye, Evans Escouf, le voyage solidarité, oui. Radio Omega. Bon, dossier, ça, c'est un dossier pour prendre au sérieux. Je vais le dire au sérieux, je vais le répondre, je vais le dire au sérieux, oui. On est qui grand monde qui dit que il a abusé l'aile de gain 11 ans et c'est bon jouet que lié. Donc que monsieur prend responsabilité, il dit mais ça crive l'aile de gain 11 ans et problème pédophile là à son problème grave que lié en Haïti. Moi même quand parle avec ou là me fait à peu près 15 ans m'a goumé quand ton frère un blanc américain. C'était un frère l'église catholique qui t'a pas abusé de Simon. Chaque fois pour mettre l'embarcote, là le pays et puis le t'a sauvé. Et moi je pense que Younan Negouta doit inviter dans l'émission ça pour faire une belle discussion sur comment combattre pédophile en Haïti. Et monsieur fait mettre quelques pédophiles blancs et pédophiles haïtiens en barcode. C'est nègre dans le département port, si ou si bien. Fais comme si on n'est pas connaît. Non la gueule là. Fais comme si on n'est pas connaît. Monsieur Ngoni, il n'est pas. Monsieur qui a 30 ans là pour me contre pédophile, moi-même j'ai à peu près 15 ans. Monsieur Gon réseau qui est le number, qui a une connexion politique dans la valasse là, n'a pas été set up un réseau en dedans pays. C'est ça la valasse pour l'Assemblée légale, les trissons. Nous sommes là pour parler réalité pays. Pourquoi même commencer par le frapper la valasse? Vous cantez la parole? Même pour réalité, n'est quitté dans tête organisation le number. C'est protection moun la valasse que il te joine pour te mettre réseau ça c'était lobby ça ici dans Washington et pas deux goumen pour une fan nèg ça non qui t'a pas abusé ti moun en dedans pays et bon souhaite lié non frère réseau ça son réseau qui brutal et nous gouman pile pour me démanteler li on l'autre bord ou bien si vous cap travail sur ça depuis 30 ans il fait marrer plusieurs missionnaires américains qui viennent abuser ti moun dans pays d'Haïti c'est bon goumen souhaite que lié. Et c'est pour ça nous-mêmes, nous gommons pile pour que yo plus équipé Institut du bien-être social et pour que le ministère de la Justice bon section spéciale sous question ça. Parce que il y a deux bagailles qui sont dangereux pour le BIA, réseau pédophile ça et mon qui fait trafic d'organes d'enfants. Mm-hmm. Et yo volé si mon nom et puis yo pral vendre organes si mon nom après autre. Deux bagailles ça l'État qui faiblit en pile. À cause d'oligarques pays d'Haïti, demain ça a besoin structuré dans l'État pour nous mener un gouvernement systématique dans la société à contre ça. Et bon, Evans les souffert pas la première fois accusé monsieur. Et donc, bon. Non, lui-même, il répond, il dit. Est-ce que. Il répond, il dit, mon y a parlé de liel, quoi le mari avec un. Non, mais il y a un droit, c'est droit pour le mari à n'importe quel monde. Que les gens disent dans la société moderne que nous gagnons, gagnons, c'est l'homme-même. C'est ça la société du 21e siècle, mais ça ne veut pas dire que des gens qui parlent n'ont pas de victimes de pédophilie. Non, oui, qu'on y a un. Saint-Louis de Gonzague, bon, enquête approfondie pour le faire en tant qu'institution, pour déterminer. Est-ce que dans la période ça, tu as l'autre jeune qui a 10 ans, 11 ans, qui subit des abus sexuels? Alors, l'aime garder des réponses, Evandis Koufler, en même temps des déclarations, s'ouvrent Claude Alix Bertrand, excusez-moi, c'est Claude Alix Bertrand. L'aime garder des déclarations, hein, c'est comme si il y a une scène de jalousie, parce que il pas nié que il était abusé et citoyen, mais il quoi, il dit, moun sa marié avec un garçon. Et c'est ça. Deux bagailles, il n'y a aucun rapport.
nèg la son grand moun nié à l'âge que le grand moun nan et s'il te gen 11 ans et s'il te remet li l'autre gen 11 ans ou même en tant qu'Ismaël Valestin il baga aucun rapport à choix qu'on fait dans vie de monde qui m'a dans mon etc. Et donc premier bagage pour déterminer est-ce que pendant période ça elle te gen 10 ans 11 ans est-ce que c'est lui seul comme jeune garçon et jeune Simone en tant Saint-Louis Gonzague qui était victime. Donc première priorité a faut que Saint-Louis Gonzague font enquête dans mi-temps jeune promotion ça et génération ça pour déterminer si oui ou non gain des actes de pédophilie qui étaient faits et oui, pourquoi pour promotion 1991 qui confirmait ça. S'il pas fait, tout le monde a reconnaître qu'il pas fait donc son bail, mais s'il fait et gain des décisions pour que parce que probablement dans institution l'église catholique aux États-Unis et l'église catholique a un gros problème aux États-Unis à cause de frères père institution l'église catholique qui a protégé père frère monde qui dans l'église catholique qui a fait abus aux mineurs ben, ça a fait gros scandale aux États-Unis donc l'église pas nous depuis sous cardinal là et Chibli Langlois il doit mettre en commission spéciale pour l'enquêter en dans Saint-Louis Gonzague pour garder s'il y a plusieurs générations de Timoun qui étaient victimes dedans. En tout cas, et n'a pas suivi ça quoi le passé entre deux messieurs puisque yon fait li gen courage et c'est Alex Bertrand Claude Alex Bertrand il gen courage il confirmé il était victime des abus en bas main Evans Escoufler lorsqu'il était moniteur sport et Evans Escoufler nous tendait réponse qui baille c'est comme s'il t'a minimisé ça qui passait et comme si c'est pas premier monde qui t'a metté Claude dans la vie garçon et OK c'est pas ça peut-être si faut donc si l'innocent commission l'église catholique qui doit l'enquêter Anderson Saint-Louis Gonzague dans génération ça il y a pour être pas grand vraiment qui t'est passé mais si tu es un pédophilie tout bon et faut que l'église en fait rapport identifier mon qui responsable et puis demander la justice sanctionnaire pas grand de compliqué non là et ben OK n'a son dossier n'a suivre et nous prenons le très au sérieux nous même dans boucanter la parole c'est ça que fait nous on parler de lui même rappeler et récemment alors en 2009 Evans Escoufler était relé m'a pas se changer ça était relé devant la justice pour viol et ti moun qui était dans Rangeland leur relé li leur bon journaliste qui te posé la question monsieur le ministre est-ce que Massissi il dit non bah il va relé pour Massissi là relé pour viol bon ça veut dire que tout dossier ça c'est des dossiers qui m'ont été revisités mais dans l'état que la justice est dans pays a en justice qui participait dans tout le président Jovenel Moïse et en justice depuis 7 mois qui a saboté enquête sur assassinat président en justice qui gagne au niveau de corruption infernal là-dedans que c'est Oligarque Pétionville qui contrôle le système judiciaire est-ce qu'on va arriver à faire ça sont l'autre affaire ouais. Ou quoi approche l'Escoufler c'est une tentative souvelée et pour désolidariser moun à cause de ça. Non, question que le doit répondre non et le ça le fait à son diversion. Question que le doit répondre non c'est que non me pas faire ça ou bien oui me faire ça. Il pas bail réponse là. Ça le fait à son la BC passer bagaille là dans blague, bail ça ou pas passer dans blague. Je son ancien moniteur sport PIA, je son ancien ministre de la République donc parler pour monsieur te faire ou dit non pas jambe violer petit garçon ou bien oui me te faire me mettre mal à la disposition de la justice il pas faire ni un ni l'autre donc c'est pas dans relation et Claude pour t'a rentrer journée aujourd'hui. Non pas ça pas aucun rapport son petit monde qui te gain 11 ans si monde ça elle te gain 11 ans il dit il était victime donc société a gain pour déterminer est-ce qu'il était victime tout bon. S'il est victime tout bon, faut nous casser tout le monde qui fait le victime. Comment est 7 février? Bon, 7 février 2022, on paquet de bagailles. Premier bagaille que nous devons garder 7 février 2022, c'est la première tentative pour tout le président qui était fait sous habitation pour Bio dans Tibois, avec Ivikelda Brésil et. Dans tweet que nous vinnouait John Joel Joseph mettez sous compte Twitter li qu'on doit regarder 6 février 2021 à 7h12 du matin nous voit que John Joel Joseph était dans tentative touyer président qui était raté dans Tibouane habitation Vorbio le 7 février 2021 donc si nous te prend 7 février 2021 au sérieux président Jovenel Moïse pas mourir le 7 juillet
Parce que tweet John Joel Joseph là, confirmé. Parce que dans tweet, il dit pral prend président, avait dit le lendemain pral prend président, sous l'autre département d'État. Faut que nous connaissions qui est qui baille John Joel Joseph l'autre ça. Est-ce que son département d'État tout bon? Un blanc département d'État tout bon, bien est-ce que son faux blanc? On mis la pétition ville qui fait être qui passe pour blanc. Parce que tweet là, tout le monde doit regarder. Et sous compte tweet John Joel Joseph 6 février 2021. Donc 7 février, c'est la première tentative pour trouver le président qui t'a échoué. Et des gens qui t'a passé dans la bêtise dans la radio, c'est pas tant sérieux. C'est ton tentative réelle pour trouver le président tabar le 7 février. Donc les gens qui pas quoi là-dedans, regardez tweet John Joel Joseph là. Qui sous compte tweet elle libre effacé. 7 février 2022, c'est tout 7e mois depuis que tout le président Jovenel Moïse. Libre à l'important que nous faisons bilan et 7 mois après. 7 février 2022, ça fait 36 ans depuis oligarque bâti en dedans pays d'Haïti un système apartheid économique, apartheid social et apartheid politique qui empêchait peuple à respirer, qui empêchait peuple à vivre dans la paix. Et système ça que oligarque mettait en place depuis 36 ans, l'a créé un génocide dans mitan peuple là. Parce que étant donné peuple là pas qu'à respirer la caille, l'obligé à aller dans l'autre pays. Regardez les jeunes, femmes, petits bébés qui ont mouru dans la rage, dans le Guatemala, dans le Brésil, dans le Panama. Petits bébés qui ont mouru, femmes qui ont mouru, jeunes qui ont mouru dans le désert Mexique à cause du système apartheid économique, social et politique que nous avons mis en place là. Donc pratiquement 7 février 2022, 36 ans après que nous avons fait 7 février 86 côté nous, Haïti libéré, nous vivons dans un système qui pire que ça nous était hier. Les Haïti te fin libéré. Parce que journée aujourd'hui, pendant ma parole avec vous là, peuple haïtien pas qu'à respirer la caille. Peuple haïtien pas qu'à vivre la caille. Donc, qui sont à remarquer, c'est que yo tout le président Jovenel Moïse qui t'a crasé le système ça, les au fin touyel. Yo vin a quatre bouts de papier que yo rele accord pour garder qui gens pour venir remembrer système nan que président Jovenel t'a crasé. Et c'est pour ça pour moi-même, Jean moi 7 février 2022 a, même Jean peuple a commencé son révolution pacifique le 7 juillet parce que le 7 juillet les soldats colombiens yo vin touyer président Jovenel Moïse, c'est pas la police qui réagit en premier parce qu'ils vont partir dans la police qui t'a touyer président. C'est pas la justice qui réagit parce qu'ils vont partir dans la justice qui n'a pas eu le président. C'est peuple haïtien qui campe marée colombien. Et peuple a été tellement intelligent, l'elfine marée colombien, il n'a pas tué. Il connaît qu'il a besoin de vivant pour identifier qui a tué le président. Donc son peuple intelligent que nous connaissons, que nous gagnons, son peuple qui n'a pas boulé, pas crasé 7 juillet, l'elfine marée. C'est peuple qui a sauvé la souveraineté nationale pays. C'est peuple qui a sauvé l'honneur national. Le 7 juillet, côté des soldats ont l'autre pays, passé par Saint-Domingue, entré dans le pays nous, vint tuer le président pays nous. Souveraineté nationale, là, le 7 juillet, le peuple a campé pour lui. Qui ça doit faire 7 février 2022? 36 ans après, 7 mois après que vous tuiez le président Jovenel Moïse, un an après que vous avez fait la première tentative d'assassinat contre lui. Même pour moi-même, et 7 février 2022, la révolution pacifique peuple haïtien doit continuer. Ça, ça veut dire. Ou même Captain Demla qui gagne en 18 et 45 ans. Ou même Captain Demla qui gagne en 11 et 17 ans. Jean Péia est là avec leader traditionnel. Yo Péia pas à aucun côté. Tout leader politique traditionnel qui n'a quatre accords à Kokoyo. Nexa yo son système d'apartheid économique, social et politique qui a été renouvelé pour oligarque Pétionville. C'est système ça qui mettait nous là. L'idée traditionnelle qui n'a quatre accords yo pas régler rien pour nous. Même gens ça t'est fait dans pays arabe côté té gon révolution dans pays arabe pour la démocratie. L'idée traditionnelle pas là dans ces jeunes qui t'est fait. Moi même ça me proposer la jeunesse le 7 février 2022. Ou même capitaine de là comme jeune qui n'a au cap qui n'a Saint-Marc, qui n'a Gonaïve, qui n'a Akae, qui n'a Cité Soleil, qui Delma, qui Pétionville, qui n'a Tabac, qui n'a Cafou, qui n'a Petit Gouave ou bien qui n'a Okaï.
7 février 2022, sous place principale ville sa yo, yon a voué message téléphone, message sur WhatsApp, yon bay lot. Nous allons rendez-vous 7 février à 10h du matin dans place ou bien dans boulevard ou cap dans place principale toute ville ça. C'est nous même la jeunesse. Nous allons sortir le 7 février 2022. Tendez bien ça m'gal dire pas de gon machine qui boule. Pas de gon caille ou bien business qui boule. Pas de gon caille qui défouqué. Pour me répéter ça pour jeunes. Le 7 février 2022 c'est où pour le mettre l'aria. A aucun leader traditionnel qui était dans le marché depuis 4 ans, qui t'a badigeonné l'école à matière fécale, qui t'a badigeonné le Sénat pays à matière fécale, qui n'a tout le président, qui t'a détruit l'économie pays nous pendant 7 ans qui sont passés à la violence là, l'aria pas pour yo le 7 février. Leader traditionnel ça y est, qui n'a catacole. L'aria ou même comme jeune, qui est en 17 et 35, 40 ans, c'est où mettre l'aria le 7 février 2022. La police pas mettre l'aria. La police qui a encadré ou, parce qu'on ne peut pas faire violence. Mais la police est en état d'alerte maximum, Stanley Lucas, depuis le 5 jusqu'au 10 février. Et moi-même, pas, ouais, policier ou même jeune qui a sorti, ou pas de problème à aucun policier. Mais qui est la police là, sont jeunes qui ont souffert même avec vous. Les nègres tuent le président Jovenel Moïse, qui fait 54% d'augmentation de budget la police là, pour le débat agent 1, agent 2, agent 3, agent 4, inspecteur 5, inspecteur divisionnaire, commissaire, augmentation, nègres pas d'accord. Et raison qui fait que la police n'a pas qu'à jouer une ressource qu'elle te conjoint pour le faire travailler normalement, pour le faire un équipement, c'est pour jouer au Liga qui a volé la douane, a volé dans BMPAD. À voler dans BNC, à voler dans ONA, à voler dans BRH, à voler dans gaz. Comment imaginons depuis le président Jovenel mourit, j'en prie gaz là augmenté au niveau international, n'est-ce que tu dois mettre 45 sous gouttes sous chaque gallon, n'est-ce que tu dois mettre 189 gouttes sous chaque gallon. Il n'y a pas de respect. Regardez ça, n'est-ce que tu fais dans le vieux papier qui est sorti aujourd'hui. Il y a plein d'interdictions pour Dimitri Vob, pour Jean-Marie Vob, tout le monde qui fait partie du système qui a pillé l'État. N'est-ce que tu montres qu'il n'y a pas de respect en tant que peuple. Ou pas rien, c'est des petits esclaves quoi. Donc 7 février 2022, ou même comme jeune, ou pas le voir un message pacifique by nègre. Tendez bien ça, Mabdoula m'a répété l'encore. Ou pas dans boule machine moun, ou pas dans voie roche, ou pas dans boule caoutchouc, ou pas dans crase business moun, ou pas dans aucune violence. C'est où pour mettre là où il y a le 7 février 2022. Ou pas le voir un message by nègre qui n'a qu'à d'accord et qui a fait raquette sous dos. Que yon pas mettre pays, c'est où qui mettre pays. Parce que pendant 7 mois qui sont passés à nan tout le président Jovenel Moïse, nèg yo ekato en tant que peuple. Dat sa k passe au cap là, moun yon bad blou. Nèg yo pa aucune sensibilité pour la dignité humaine. Nèg yo pa aucune sensibilité pour moun k'ap souffri dans section communale yo. Gardez sa k passe là pendant 7 mois, dans 7 mois qui sont passés là. Izin courant qui pari dans Matissan, pour bailler peuple à courant, 24 sur 24, nèg yo fait esplé, yo pas quitter le marché. Pourtant 60 mégawatts là, tout neuf. Usine dans Port de Paix, qui a alimenté 6 communes dans le département nord-ouest. Li pari, nèg yo pas fait le marché. Et parce qu'on pas moun pour yo. Et lèm vin là, dans boucanter la parole. Mwen dou konsake nèg yo pas vle émancipation moun noir dans pays a. Yo pas gen respect pour moun noir dans pays a. Un racisme systémique que nèg établi dans l'état régime Ariel là c'est expression raciste systémique nèg yo si nèg yo nan figi nou là calé 20 interdiction de débat pour Jean-Marie Vob qui jusqu'à présent fait gros manipulation dans système judiciaire pour bloquer enquête pour président Jovenel Moïse lui-même Michel Matala Michel Maté li bon nèg ça je dis à moi parce que 7 février 2022 si nous pas bail nèg yon message, c'est ça président Jovenel te dit. Président Jovenel te dit, c'est dans moment ça. Ou soyez les nèg yon fin touye Jean-Jacques Dessalines en 1806. Pendant 50 ans, on pas de parler de Dessalines. Nèg yon, c'est ça yon vle fait. Yon vle remembre système pesé sous CA. Système apartheid économique, apartheid social, apartheid politique que yon mette a. Pour yon continue pesé sous CA dans gaz là. Pour yon continue pesé sous CA dans blackout. Pour yon continuer peser sous ces banque centrale, dans banque nationale de crédit,
dans l'ONA et la trier. Et c'est nommé au système judiciaire. Comment vous voulez, peuple, ou même capitaine de là? N'égal prend sonner Jean-François qui t'a fait dossier inculpé sous Jovenel Moïse. C'est lui-même qui a remettre dossier pour aller questionner juge Gary Aurélien. Tellement qu'il a manqué nos dégâts en tant qu'haïtien. Comment vous voulez que n'est-ce qui est qui a choisi comme juge pour mettre sous dossier président Jovenel Moïse? Il y a un juge que Ariel fait renouveler le mandat, qui est président CSPJ avant de mourir René Sylvestre, et président que autour d'ailleurs, et président Jovenel Moïse a voulu renouveler le mandat. Parce qu'il y a un qui est impliqué dans la politique, il y a des communiqués 8 février René Sylvestre 2021, il y a un qui est un cabinet d'avocats et il y a un qui est en corruption. Donc je dis, dans le cas que nous y a, ou même comme jeunes, ou qu'on nettoyage pacifique qu'on doit faire des trois pouvoirs de l'État. Et c'est pour ça, 7 février, en tant que jeune, moi-même, mais qui a quoi que me propose pour faire pays aller de l'avant. Parce que si c'est pas ou même qui prend pays, mais pas qu'il y a personne qui vient prendre. Non, non, finis, parce que même blanc, même blanc qui n'a pas parlé de l'IA, comment fait John Joel Joseph, non, tweet qu'il fait, 6 février 2021, il dit recevoir l'autre département d'État. Comment fait que Atik et Journal Intercept 13 janvier 2022 dit que Metel Blanc qui dit faut mettre président Jovenel Moïse de côté pour remplacer par le premier ministre. Même Jean tout et dans télévision américaine Rising, il dit comme ça que Méon Blanc, mais combien cop qu'il bail pour participer dans complot pour tout le président parce qu'elle était gain garanti que gain officiel boïcien qui dit pas gain problème, il y a pas tout le président. Je voulais vous dire, nous connaissons que le président Biden était très clair. Le président Biden, avec l'administration Biden, a dit Jovenel Moïse, même Jean-Aurea, Jovenel Moïse comme président prêté serment 7 février 2017 pour un mandat de 5 ans, qui a fini 7 février 2022. Le président Biden, son est qui d'accord pour que tout président élu respecte le mandat. Il y a qui blanc américain qui participe là-dedans, qui prend poste gouvernement américain, qui pas gouvernement américain. Il faut jouer un blanc ça. Qui militent qui participent là-dedans, même si nous connaissons au niveau interne, mais au niveau international, nous qui j'ai fait depuis 4 à peu près 6 mois pour proposer que yo par contre 12 raisons qui fait que yo touye président. Yo touye président pour 10 raisons économiques, 2 raisons politiques. Tout le monde connaît ça. Raisons économiques, on pas besoin élaborer. Donc je dis après on a parlé là qui c'est 3 février 2022, OK? Nous voulons que au mari blanc qui dans touye président. Colombien qui n'a pas eu président, est-ce qu'il y a un mari tout, est-ce qu'il y a un qui rete? Mais la Pétionville qui participe dans le président, il n'y a pas mal de petits mercenaires créoles tête green seulement, non? Parce que moi, je suis sorti pour faire John Joel Joseph, Badjo Joseph, Dimitri Hera, la guerre civile, comme si c'était Tinek Noé tête green seulement, Capote Chayla. Tout gros chabrak, les Michel Matéli, les Dimitri Vob, les Reginald Boulos, les Samir Andale Latrier qui participe dans le président. Pas mal qui a fait couvrir ça. Faut que vous mariez Michel et Matéli, même je vous marie Dimitri. Mais est-ce que Michel Matéli, qui côté au dénoncé, Stanley Lucas pour vous marier? Regardez, c'est le journal américain qui a fait enquête qui mettait président des États-Unis, Richard Nixon, à terre. Même le journal américain qui fait enquête là, qui te mettait président Richard Nixon, à terre, Washington Post et New York Times. C'est au même tout qui joint que Michel Matéli avec Beaufrel qui court Saint-Rémy impliqué dans tous les résidents. Vous gardez la parole. Donc Matéli a vint me faire silence. Matéli a dit monde qui prend de justice pour résident fait silence. Moi même pas complice, moi pas faire silence. On nous finit sans le Lucas, on nous finit. Parce qu'il est censé arriver sur nous. Moi même pas complice, moi pas faire silence. Mais... Donc 7 février 2022, c'est nous même comme peuple qui doit y arriver et son commencement qui est lié. Donc, ou même comme jeune, ça m'a expliqué tout à l'heure, après un petit téléphone, nous, et si c'est Tabar Kouye, si c'est Cité Soleil Kouye, si c'est Delma Kouye, si c'est Kafou Kouye, si c'est Gounaïve Saint-Marc Kouye, ou bien au Cap, bah, rendez-vous qui côté nous rencontrer le 7 février le matin, là, il n'y a pas pour l'idée traditionnelle, qui besoin vraiment pour le système. Là, il y a doué pour jeunes. Dans le pays d'Haïti. Merci en pile, c'est délicat, c'est ton plaisir. Merci en pile. Nous n'avons pas de cap mené nous aucun côté. Et c'est pour ça, même Jean, le 7 février ou même en 1986, où tu rebattes 4 là, je dis à la seule façon pour nous rebattre 4 là, c'est dans le cadre de l'article 149 Constitution,
chercher un garçon, un femme par département, la bo 20 moun, nan mitan 20 moun sa yo, choisons premier ministre avec 18 ministres, et puis c'est moun sa yo, capable non de le pas dépasser 6 mois, rétablir la sécurité, organiser référendum nan avec constitution que commission indépendante a fait, organiser élection présidentielle et législative pour 51e et 59e législature, 59e président installé, courir un juge senti bon, concours juge Chanlat par exemple, et l'autre juge, même quand il m'a fait confiance, et qui a passé juge Chanlat, vous songez, mais il a tout greffé pour ne pas enquêter. Mais juge Chanlat là, c'est pour nous mettre sous dossier, fonds OEA à Nations Unies pour la sécurité pour ne pas. Merci en pile, c'est ton président de l'UQAM, merci en pile. Nous espérons que tout le monde qui t'attend de après nos bagages. Merci en pile, voilà. San de l'UQAM. Après dominer l'actualité dans le pays et d'Haïti, et même j'en trouve, nous avons passé pour nous avoir des informations dans le pays étranger. Eh bien, et nous sommes prêts à aller ensemble avec information qui est faire la une de l'actualité. Eh bien, c'est presque pour la première fois que ça arrive dans le pays d'Haïti, côté que le tribunal correctionnel a condamné jeudi à l'homme d'affaires Arbi France Lafo, eh bien, qui est pour le passer 4 ans en prison, et puis il a pour le bail 125 000 gouttes amende et 10 millions de gouttes de dommages intérêts au profit de l'État haïtien et pour et détention et possession, trafic et armes automatiques de gros calibre, munitions et puis engins destructeurs au préjudice de la société. Eh bien, c'est juge Benjamin Félix-Mé et qui peut prononcer et jugement. Eh bien, Jacques nous Abgadeli et M. Lafo, nous connaissons que la famille Lafo, c'est eux-mêmes qui fait qu'on l'a curé et la quoi. Pour regarder une vidéo, côté que c'est un pile d'armes, un pile de munitions qui est débarqué. Malgré que il y a un pile de monde qui dit que, eh bien, M. Salimène, il prend 3 petites prisons, mais n'a pas bloqué, c'est pas tout le temps que ça fait, c'est pour la première fois, et que, ouais, il prend un jugement et contre un homme d'affaires, eh bien, n'a pas bloqué, c'est le tribunal correctionnel qui condamne, eh bien, jeudi, c'est l'homme d'affaires Arbi France Lafo. Eh bien, pour passer 4 ans dans la prison, eh bien, M. Abdié pour payer 125 000 gouttes et amendes, et puis 10 millions de gouttes et dommages, intérêts au profit de l'État haïtien pour et détention, possession, trafic, armes automatiques de gros calibre, munitions, engins et destructeurs au préjudice de la société. Eh bien, Abdouké, c'est juge Benjamin et Félix Mé qui a prononcé et jugement, eh bien, parce que n'a pas gardé pour nous, et côté que, était gagné, et ça n'a pas été, et en pile d'âme qui était arrivé débattre, parce que Jimmy, mon yo là, est censé étape suivre, et bien, ouais, monsieur a lui-même, et qui est censé être condamné pour passer 4 ans en prison. N'a pas quitté. 100 secondes, Pradel. Mesdames, messieurs, là, ça c'est une injustice qui fait. Ça c'est pas correct. Faut nous bailler vérité, hein. Ou ap gade quantité zam, quantité munitions, mesdames, messieurs, comment nous comprendre ça? Pour un juge, osé bay et Abilako, grand 4 ans prison, mesdames, messieurs, en nous serré, ça pas correct. Ça pas correct. Abilako gen zam là pour ta déclarer guerre à un autre pays, mesdames, messieurs. Ça c'est Haïti, nous regardez, mesdames, messieurs. C'est pas des munitions, c'est pas des armes, c'est pas des cartouches, monsieur, ça, pour faire moi que vous bal grand 4 ans de prison. 4 ans prison pendant ce temps, grand monde qui vole un bœuf ou bal 10 ans. En nous sérieux, qui ça fait ça? Est-ce que c'est à cause de couleur? Est-ce que c'est à cause de influence qu'il y a? Mesdames, messieurs, c'est sérieux, ça pas correct. Gardez bien. Gen moun qui content parce que oui, yon récit pour yon homme d'affaires yo. Mais si nan bay prison, bay moun nan prison. Gardez pour nous, mesdames, messieurs, nous bagay yo devant nous. Ça sont catastrophes. Et sincèrement, je pense que pour une fois, nous avons dû aller en appel, mais aller en appel, ce n'est pas pour le prendre en prison, non, c'est pour le prendre plus de temps. 4 ans, c'est au petit moment 4 ans, arrivé, Pradel. N'a pas gardé. Eh bien, ou imaginez, mesdames, messieurs, t'as bon, une seconde, Pradel. Là, on a parlé de l'amour président Jovenel Moïse. Il y a un monde comme ça. Vous pensez que monsieur n'a pas d'influence? Vous pensez que tout ça n'a pas d'influence? Si vous avez une vraie enquête, vous n'avez pas besoin. Il y a un monde comme ça. Et n'a pas rappelé que c'est sous président Jovenel Moïse que vous avez arrêté, monsieur. La police a débarqué la Kaili, nous rappelons nous ça. Je dis à la présidente Mouroupa, je ne connais, si même moun sa pa gen influence, même bagay yo devant nous. 4 ans, 4 titres grand temps prison, mesdames, messieurs. 4 ans, ça c'est exagéré. Li exagéré.
Oui, et pralel, évidemment, nous pralons parce que nous avons gardé les bagages là. Et gardé les fonds, nous avons gardé les fonds. Nous avons gardé les secours, mes amis. Ça, c'est une injustice liée à l'égard du peuple, à l'égard des populations. Mais nous avons gardé là 4 ans. Et oui, pralel. Oui, nous avons continué ensemble avec les informations. Et bien, pas oublier que nous avons sauté et suivi là. Et bien, nous pralons directement dans le dossier. Juge Gary Aurélien, eh bien, qui était chargé pour capable instruire le dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse, là, qui finalement remettre à mercredi dossier, et eh bien, doyen tribunal première instance pour le président, maître Bernard Saint-Ville, et eh bien, doyen qui était opposé 18 janvier passé, à qui ont fait non recevoir, à qui ont requête juge Gary Aurélien qui était sollicité une prorogation pour une période de 3 mois. Et bien, il était accusé dans un rapport RNDDH comme corrupteur dans le cadre d'enquête sur l'assassinat Jovenel et Moïse. Là. Et bien, juge Aurélien était lui-même et déporté de l'AFEA. Le doyen, maître Bernard Saint-Ville, lui confirmé que lui arrive à recevoir dossier à mercredi et matin, il promet pour lui capable prendre toutes dispositions nécessaires, mais pour capable sécuriser dossier en attendant, il désigne un nouveau juge et bien pour capable faire suite ensemble avec instruction. Et bien, un côté et juge, écoutez et doyen, maître Bernard Saint-Ville qui lui-même qui tape et répond et question et journaliste côté que lui-même lui est censé étape presque by tout détail et bien n'a pas que dans cadre et dossier ça que nous connaît et juge là lui-même qui censé et pas dans et dossier ça encore et bien parce que nous pour bien et pour capable et tendre et juge là qui lui-même et doyen qui tape et parler et dans cadre et dossier ça et bien je que nous dit et nous répéter pour vous et bien et monsieur lui-même juge Gary Aurélien et bien monsieur qui était chargé pour capable instruire dossier sur assassinat ancien président Jovenel Moïse là et bien c'était finalement remettre et dossier à hier mercredi à un côté et doyen tribunal la première instance par le reste là et bien maître Bernard Saint-Ville qui t'a bail plus explication. Voilà, mesdames, messieurs, en notre détecte, c'est ça. On a écrit juge là pour te dire juge là que les formalités irritantes de procédure ça n'est pas respecté. On a demandé juge là pour tirer telle conclusion que de droit. Le juge d'instruction a écrit doyen pour te demander pour le bali une prorogation de délai raisonnable. Bon, là, ça nous-mêmes, comme doyen administrateur du tribunal, nous avons dit que le juge d'instruction presque de 5 mois depuis le dossier nous-mêmes. Nous avons dit prorogation de délai, ça va le mener nous dans 8 mois, alors que nous avons dépassé le délai raisonnable là, alors que la loi fixe son délai. Nous avons dit que c'est ça une importance capitale pour la justice pénale haïtienne. Nous n'avons pas de projet de délai. Et le juge là, quelques jours plus tard, est obligé de voir ordonnance de dessaisissement de la doyen. C'est-à-dire qu'il est déporté de la connaissance du dossier. Il a été réalisé l'inventaire du dossier, il a voyé le moins. Bon, ce matin là, nous recevons les, nous vérifions l'inventaire là avec greffier cabinet d'instruction, greffier chef tribunal là. Ces dossiers à eux côté, pas moi là, on va le prendre à disposition pour moi sécuriser les, puis faire une nouvelle distribution. Toute procédure là, tu es préparé dans la direction centrale pour les judiciaires. Vu là, des dossiers, nous connaissons un ensemble d'actes d'instruction posés déjà, le temps des mondes, il fait transport sur les lieux, il fait interrogatoire.